Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Sport pour la vie. Nous emmène aujourd'hui à Lyon, à la découverte de la maison sport santé Baïa SPTT Grand Lyon. Alors une maison sport santé, qu'est-ce que c'est? Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Nous partons tout de suite à la rencontre de ses bénéficiaires et de ses éducateurs sportifs. Promis, à la fin de la journée, la maison sport santé n'aura plus aucun secret pour vous. Une maison sport santé, c'est une structure qui fait l'interface entre les établissements de soins, des publics en besoin de reprise ou en continuation d'activité, quelquefois avec des affections longue durée ou des maladies chroniques, et des établissements proposant ces activités de sport, mais dans une structure très encadrée, puisque c'est de l'activité physique adaptée. Ce n'est pas tout à fait une activité sportive. Nous, on est club affilié Fédération des ASPTT. La Fédération des ASPTT a développé un certain nombre de dispositifs et des thématiques en lien avec la littératie physique, où effectivement le bien-être à tous les âges et également le développement sur le long terme est très important. Et on a donc développé des dispositifs. On a un dispositif bien-être, un dispositif senior, et donc naturellement on s'est orienté vers un dispositif « Je m'active santé ». Et puis, le hasard des rencontres m'a fait rencontrer des gens au ministère de la Santé qui faisaient la promotion de la maison sport santé. Et on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que ça donne une autre dimension sur l'activité physique adaptée. Et puis, ça nous permet de faire du lien. Et nous, l'objectif, c'est d'aller chercher ce public, de l'amener à refaire des activités physiques, ensuite un peu de sport, et ensuite, pourquoi pas, devenir adhérent et membre à part entière d'un club sportif. Bonjour Mickaël. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Merci de m'accueillir. Ben avec plaisir. Mickaël, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ton rôle ici à la Maison Sport Santé de Lyon. Alors, mon rôle au niveau de la Maison Sport Santé, c'est de coordonner tout le dispositif donc, de la Maison Sport Santé. Donc, l'objectif, c'est d'accueillir l'ensemble des patients qui sont au niveau des structures hospitalières, soit en recherche d'une structure pour pratiquer du sport. C'est leur premier contact quand ils arrivent ici? C'est ça, exactement. Donc, je fais le lien avec éventuellement la structure hospitalière d'où ils viennent. Tu recueilles les informations auprès de la structure hospitalière. Après, tu accueilles les personnes et après, tu fais ce qu'on appelle un bilan. Parle-moi de ces bilans. L'objectif de ces bilans, c'est de partir d'un point de départ, donc pour avoir vraiment des indicateurs fiables sur l'ensemble de ce qu'on va mettre en place au niveau activité physique. Après le bilan, il se passe quoi? Elle commence directement les activités physiques. Qui est-ce qui prend en charge tout ça? Alors, elle commence directement les activités physiques. Donc, il y a mes collègues, donc Cédric et Nourdine en bas, et également moi. Donc, à la fin de mes bilans, je vais aussi mettre ma casquette de coach sportif, d'enseignant en APA, et on va aller encadrer tout ça. 1 et 2, bien. Quand je frappe avec le bras arrière, j'avance. Et quand je frappe avec le bras avant, je recule. OK? On inspire et on souffle. On pousse l'épaule avant à chaque fois. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Pas mal ça? Je viens chercher de l'aide pour me remettre au sport parce que j'en fais plus du tout. Et du coup, maintenant j'ai plein de douleurs, ça devient très compliqué et je peux pas réintégrer. Enfin, c'est difficile pour moi de rejoindre un club classique comme ça et donc j'ai besoin de soutien. Et donc voilà, c'est là l'idée de trouver un encadrement plus adapté à mes problèmes de santé. Un peu plus vite, on essaye. 1, 2, 3, 4. C'est votre première séance? Ouais. Alors racontez-moi vos impressions à chaud de cette première séance. C'est une séance découverte aujourd'hui. Vous vous attendiez à faire de la boxe? Non, j'avais pas prévu, j'avais pas fait très attention sur la liste, il y avait de la boxe. Je l'ai vu après et j'ai dit c'est l'occasion de découvrir de nouveaux sports. La boxe, vraiment, on sent très vite que ça travaille tout le corps tout entier, quoi. On sent que ça travaille les jambes, ça travaille les bras, ça travaille le cardio. Donc c'est une façon un peu plus ludique de faire du renforcement musculaire. Quel regard vous portez sur une initiative comme celle-ci? Non seulement c'est une bonne chose, je pense que c'est indispensable. Pour tout, pas forcément les gens malades aussi, vous avez les gens obèses, les gens âgés qui ne peuvent pas faire du sport comme tout le monde. Quand vous allez dans des salles de sport classiques, traditionnelles, on ne s'occupe pas vraiment de vous, vous n'êtes pas surveillé, on ne surveille pas les postures. Il n'y a pas ce regard santé qu'on peut avoir dans ces endroits ici où on va adapter
on va adapter le sport ou les exercices en fonction de la pathologie, quoi. C'est vraiment ça que vous cherchez, le regard santé. Ah ouais, ouais, je peux pas, je peux, moi je me verrais pas faire du sport dans une, dans un truc traditionnel, quoi. Donc on mobilise, voilà. Donc nos genoux restent bien fléchis, ici très peu fléchis, on stabilise. Et ensuite ça vient simplement au niveau de la hanche. On va venir positionner nos deux majeurs l'un contre l'autre. J'ai pas beaucoup d'expérience dans le pilates, ça doit être ma troisième séance. Mais c'est un bon complément par rapport à ce que je fais en dehors. Qu'est-ce que vous faites en dehors? Je fais du renforcement musculaire et du cardio à la salle de sport, mais là, ça fait travailler les muscles profonds. Donc, c'est une approche différente de l'activité physique, mais qui est un bon complément. Et ce programme global, vous sentez les effets sur votre quotidien? Moi, complètement. Bon, je loupe jamais de séance, parce que je sais tout le bien-être que ça peut m'apporter et que ça m'apporte, en fait. Quoi. Comme on a fait tout au départ, et progressivement, tu vas augmenter l'amplitude de tes bras pour aller chercher ta coordination. Okay. Voilà. Et pense surtout à ton oblique. Voilà. Ouais. Et progressivement, tu vas bien récupérer ton bâton dans les mains pour commencer à pousser. Voilà. En fait, c'est super chouette parce que ça fait travailler beaucoup de muscles. Je pensais que c'était juste une marche normale et que c'était à peu près pareil. Or, j'étais un petit peu essoufflée au bout d'un quart d'heure, je sais pas, 20 minutes. Et pour quelle raison est-ce que vous suivez le programme proposé par la Maison Sport Santé? Parce que j'ai un cancer, donc je suis soignée à Bérard et on nous propose tous les mois différentes activités sportives. Donc j'ai fait du foot, du rugby, toujours une initiation, du tennis et aujourd'hui de la marche nordique et je ferai du volley ou du handfit, je crois, le mois prochain. Il paraît qu'on vous appelait le Kylian Mbappé de Bérard? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et vous venez travailler votre rapidité ici pour le dépasser un peu? Ouais, c'est ça. C'est qui Kylian Mbappé? C'est du foot ou du rugby? C'est du foot. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que ça peut vous apporter pour votre vie de tous les jours? Par rapport à la maladie, la diminution de la fatigue et le moral. Parce que je suis à l'extérieur, je suis en compagnie, voilà. Maison Sport Santé, littératie physique, quel est le rapport entre les deux? Voyons ce qu'en pense Jacques Roussel, le médecin fédéral. Si un public peut bénéficier des bienfaits de l'activité physique, comme le rappelle la littératie physique, pour une meilleure qualité de vie, ce sont les personnes en situation de maladie chronique. Ces personnes, par le biais de l'activité, améliorent leur état de santé. Cette amélioration se réalise auprès de professionnels de santé et de professionnels du sport, dans des lieux spécifiques, les maisons sport-santé. Ces maisons apportent toute la sécurité d'une pratique sportive adaptée. Les bienfaits de l'activité physique sur les malades porteurs de maladies chroniques a été validé par l'Académie de médecine, qui a fait la démonstration de l'amélioration et de la préservation de la santé par l'activité physique. On parle même de l'activité physique comme une thérapeutique non médicamenteuse. Et voilà, du sport pour la vie, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez connaître les clubs labellisés Sport Santé à côté de chez vous, eh bien n'hésitez pas à consulter le site asptt.com à la rubrique Je m'active santé. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, quel que soit votre âge, votre niveau, votre condition physique, faites du sport.